et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance nous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur nous soit toujours avec nous. Et avec toi, Esprit. Encore une fois, c'est très Christ et bonjour sur vous. Et bienvenue pour ça, c'est l'itinéraire qu'on prédit publiquement. Et si tant pis, malgré son situation de l'Assemblée, alors ça. Et nous rassemblons ici pour nous, et Dili, bien de la Dieu. Pour nous aussi, puis pour la famille, et qui l'accueille. Et si tout, nous sommes madame, nous sommes nos enfants, et la famille, nous sommes dans la famille ici. Et pour nous demander Seigneur pour accompagner ça. Et aussi, puis pour son maman, et son frère et soeur, et qui peut passer à travers le monde, est difficile pour et délice pour nous, frères. Alors, et si nous sommes venus ici, c'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a à nous, de vrai, de beau, de bon dans la vie de Fred, et lui demander de l'accueillir. On va inviter maman de la famille qui parle de la Russie, si vous voulez avancer et chacun de vous à côté de la Russie. Et on prend la liberté spatiale de la Russie. Avancez si vous voulez.
Grandbert, Freddy, Innocent, Fidelia, Timé, les 12 ans, 1980. Et deuxième, sorti des familles, trois enfants. Il grandit et fait son stage primaire pour l'école de l'homme. Et plus tard, complète secondaire pour Moval. Il poursuit son étude au secondaire pour l'école de Saïti. Et il commence son premier carrière pour l'hôtel de Mouya Paris. Pour là, il utilise son compagne, Gilbert. Ensemble, nous avons des garçons et des filles. Il est toujours avec sa famille première et tout dans la pour les enfants. Il baptise jamais banquier pour faire une petite visite à l'école. Il tient du monde français pour la cour et même ça, il est tout le temps pour faire briller. Ça joue des petits sourires, toujours rayonner sur son visage pour jouer. Le maître, les ancêtres, a une conduite si bien dépouillée. Son patient, c'est plus manger et pas besoin de nourrir son petit amusant. C'est aussi quand on travaille et tout le temps sérieux et sacrifié. Côte à coup, il est toujours paré pour aider. Baptisant mes refusés, il est demandé pour faire un petit travail extra. Il dit sa haine, il dit faire tout le petit travail électrique, bombée et jardinage pour parcourir. Le maître est aussi content pour aider les autres du monde dans la maison. Malheureusement, nous vous manquons tout ça là, aux détruits. Lundi 15 avril, il quitte l'eau. Nous disons merci, bon Dieu, de son grand amour, il permet. Pour qu'il remette, il fasse un joli parcours avec nous ici nous sur la terre. Il promet nous qu'il ne va pas quitter nous tout seul. Sous l'absence, pour qu'il ait tout vide dans nous la vie, que personne ne va vous jamais capable de passer. Mais heureusement, nous gondions l'amour et qui te promesse l'espoir avec nous dans ses paroles, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, qui dit: mon bon frère excès, nous parlons qu'ils ont resté dans l'ignorance concernant un qui nous mort, ou qu'ils ont passé à craindre à l'imam qui n'a pas d'espérance. En effet, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous aussi croyons que bon Dieu promène avec Jésus tout bon qui est mort en croyant dans lui. En effet, après l'enseignement Seigneur, là ça qui nous déclare. Nous qui encore vivants, que le Seigneur pour retourner, nous ne pouvons pas passer avant avant qu'il meure. En effet, quand il y a un peu de gagnolet, avec la voix et la danse et son trompette de bon Dieu, Seigneur lui-même descend sortir dans le ciel. Et même qu'il meure de Christ pour ressusciter en premier. Après, nous qui encore vivants, nous pouvons enlever et rassembler ensemble avec son dernier. Pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Comme ça, nous sommes toujours avec le Seigneur. Alors, pour nous tous qui s'agrèrent des paroles aujourd'hui, on nous console, camarades, avec sa parole, jusqu'à vous, pour nous vous en saisir, et revoir nos remèdes. Au revoir, remèdes. Bonjour. Bonjour à tous. On peut faire sa testimonie devant à la sécurité, l'endroit pour prendre Fidelia qui fait travail avec vous et 3 ans et demi. Monsieur Rambert, Freddy, Innocent, Fidelia, né le 12 ans 1980. Il est resté long. Monsieur Rambert, tisoin de la sécurité, qui est l'accompagné sécurité le 1er décembre 2019. Pour qui travaille et pour comment insécurité. Pendant son temps, qui type travail avec nous, n'a pas un moment qui n'a pas détruit la responsabilité qui rembourse qui peut tient en homme. Il est vraiment senti, poli, responsable, honnête, confiable. Il t'y paraît pour remplacer aucun moment qui sont polis, qui ne sont pas capables de travailler
et aucun moment que tu besoin de service. Même si tu devant un champ ou autre, sans hésiter, il t'y pour venir. Il t'y vraiment dévoué pour son travail. Dans la fin de 2022, Rambert, tu commences absent dans son ouvrage pour raison médicale. Et dans un court de temps, où tu apprends son diagnostic. Il n'est pas si facile. Pour lui-même et pour nous aussi apprendre une mauvaise nouvelle, sa mauvaise nouvelle. Mais sans la foi, tu fort. Le 28 avril 2023, Rambert a besoin de terminer son emploi à cause de la santé pour te permettre de continuer. À chaque fois que tu en as un appartement et qui est encore capable, tu passes au l'office pour apprendre son parcours médical et même pour cause de le parcours, son traitement et son famille. Et si il n'est pas capable, il t'y parle nous pour apporter nous. Si même pendant les temps, quand il est vraiment dépressé, quand il est vraiment dans l'oreille, quand son moral est tombé, mais après beaucoup de conseils qui nous encouragent, il t'y met tout dans le Seigneur. Nous avons une visite pour la cour, maman Robert. Pour qu'il y voit, parler sa Rambert qui nous dit qu'on est. Nous ne pouvons pas imaginer qui sont les parties si tranquillement. Nous ne pouvons pas nous en mettre au merci pour faire part dans la vie. Nous commençons beaucoup. Adieu, Rambert. Et quelque chose qu'on y a.
lecture de la seconde lettre, Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous le savons même, si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre est détruite, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Ainsi, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Un homme qui t'y appelle Lazare. Tu tombes malade et tu restes Bethanie, la ville côte Marie, et son sœur, Marthe, t'y restait. Quand Jésus t'y entend ça, il t'y dit, sa maladie, pas pour amène la mort, il va servir pour la gloire, bon Dieu. Il va servir pour montrer majesté, garçon, bon Dieu. Quand Jésus est arrivé, tu en as 4 jours depuis que Lazare est dans ton tombeau. Bethanie est prêt avec Jérusalem. Une distance à peu près 3 kilomètres. Un quantité juif, tu ne viens consoler Marthe et Marie pour la mort de notre frère, Lazare. Les Marthe t'attendaient que Jésus t'y peut venir et t'y sorti pour aller joindre, tandis que Marie t'y restait assise dans la case. Marthe, tu dis Jésus, Seigneur, si où tu là, mon frère, parti avant moi. Mais on connaît qui, même à présent, bon Dieu, pour accorder tout ça qui au bout des malades. Jésus te dit, ou frère, pour ressusciter. Marthe te répondit, on connaît qui pour ressusciter, jour, résurrection, la fin, le monde. Jésus te dit, moi-même, résurrection et la vie. Sans qui croit dans moi, même si avant moi, il peut vivre. Sans qui vit et qui croit dans moi, pas pour jamais mort. Est-ce qu'il croit ça? Marthe te répondit, oui Seigneur, je crois qui ou même merci, garçon bon Dieu, qui devrait venir dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La mort y est volée. La mort, pas bon. La mort, il déprime. La joie. La mort, il y a même une quantité de la tristesse dans le cœur. La mort, il y a même la souffrance. La mort, il y a un bonheur. À cause jamais un voleur y avait si mettre la case pour dire qui mon pouvine vol côte ou mon pouvine casse ou la case pour voler. La mort, ils y sont prêts. Il y a un rachement. Et ça qui nous compte. Et prend avec nous ça qui précie. Et prend avec nous ça qui vraiment attaché avec nous. Et prend avec nous ça qui est spécial et idéal avec. Et jamais nous pouvons retrouver encore. La mort y est volée.
Et pas jamais demande nous pour nous préparer nous à cause qui peut venir. Non. La mort y est volée. Mais dans toute sa circonstance et dans tout ça que la mort y a mené et dans nous la vie, nous, comment chrétiens, comment nous croyons et nous connaissons et nous croyons qui la mort, il n'a pas pouvoir de banne qui croit dans le bon Dieu et qui croit aussi dans la résurrection. Et ça veut dire, malgré que la mort, il vient avec beaucoup la tristesse, il fait nous s'entraîner, il fait nous pleurer en quantité, il fait nous souffrir. La mort, il existe un passage vers la vie éternelle. Quand nous bon Dieu papa y était, à cause nous bon Dieu papa, et pas un bon Dieu la mort, il y a un bon Dieu la vie qui donne la vie. La vie ici dans la terre et la vie éternelle. Et c'est pour sa raison qui nous, même si nous sacrés, les nous perdit, et nous nous bien-aimés, pareil, rembête. Nous besoin accepter sa séparation avec la foi, avec croyance dans le bon Dieu. Et nous besoin accepter sa séparation avec la foi dans le Seigneur Jésus. La mort, ici c'est un passage. Quelques semaines passées, Rambert était avec nous. Aujourd'hui, il n'est plus là, physiquement avec nous. Il quitte nous. C'est en vie. À la 41 ans, et si on m'a pas trompé. Et qui jamais nous tu crois pour dire qu'aujourd'hui, et tu peux quitter. Pareil, il gagne dans le deuxième témoignage. Son bon collègue est parti expecter pour dire qu'il. Et tu peux moi si t'en vite, comme ça. Et la famille est parti expecter pour dire qu'à l'âge de 41 ans, Rambert, on n'est plus avec ça. Mais c'est affecté en Christ. Maman, Rambette, son bon sœur et frère, son madame et son enfant, la famille, jamais de connaissance. À nous, accepter sa séparation. Avec la foi qui rembête côté y était, et dans mon la main, et dans la main son créateur, à cause, il t'y vit son la vie comme un croyant, qui aujourd'hui, dans le témoignage, qui t'y gagne écrit le livre, qui témoigne ça, et qui qualité du monde y était, un du monde vivant. Un Dieu qui est content d'aider, qui est content de travailler, qui toujours a tout temps disponible pour aider, pour partager son temps, pour partager ce qu'il y en a avec les autres Dieu. Un Dieu qui est content toujours, qui son voisin, son camarade, son ami, il restait et vive dans la joie, il restait et vive bien. Un Dieu qui est capable go out of his way to make others happy. Un Dieu qui est content, satisfait et son camarade.
Et c'est ça la vie qui, par le bon Dieu, il invite nous pour nous vivre. C'est réflexion en Christ. Nous gagnons invité pour nous apprendre à vivre la vie en famille, la vie en frère et soeur, et pour nous tout le temps et tous les jours, et faire ça qui vient pour un homme et pour lequel on veut camarade. Paris, combat. Ben, témoignage, si tu dis ça. À nous pour encourage. Le soir, ben, bon souvenir, ça, ben, bonne mémoire, qui nous t'y vive et qui nous t'y passe ensemble avec Rambert. Il est là, il est encore vivant. Oui, nous pouvons manquer ce ben, joli, quelque chose, qui n'habitait pas avec nous. Mais sa séparation, si c'est séparation physique, à cause, il peut toujours et tout le temps rester vivant et dans nous lesquels, à cause, nous t'y comptons lui, nous t'y comptons nous. L'amour, pas pour sa mémoire. N'a pas d'année qui poussait par nous, avec ça l'amour, qui connectait nous avec lui. À nous apprendre une bonne leçon, leçon de la vie, leçon de caractère, leçon de l'attitude, et leçon de mentalité, et leçon de la vie en général. Ça va quelque chose de positif qui aujourd'hui et nous tout et nous dit. Et ça qui touche moi aussi dans sa témoignage, c'est sa premier témoignage, c'est qui? Et ça dit mon imaginaire pour dire qui? Oh, dis ça qui parle de mon Dieu, il dit. À nous pas rester dans nos ignorances, à nous pas tracasser nous le ban mort. À nous mettre nos confiances dans mon Dieu. À nous croire dans la résurrection. C'est vrai que c'est en Christ. Parole au bon Dieu, il toujours sous la genou, il toujours donne l'encouragement pour qu'on ait pour dire. Nous tous, nous pouvons passer à travers lui un jour. Pour nous capables d'arriver, quand nous, bon Dieu, papa y était, nous pouvons bien passer par la mort. Mais nos besoins commencent ici dans la terre pour faire ça qui est bien, pour faire ça qui est bon. Pour nous croire dans Seigneur Jésus, lui-même la vie, lui-même ses mains, lui-même la résurrection. C'est vrai que c'est en Christ. La famille, Robert, pareil dans l'évangile aujourd'hui, les Lazare, ils tombent malades, les Haïtiens morts, une quantité juive qui rassemblait pour consoler sa famille. Aujourd'hui, nous rassemblons ici pour consoler nous. Et surtout dans ce moment, la tristesse. Pour nous montrer aux autres qui nous toujours et tout le temps prennent part dans notre malheur. Prends petit petit qui nous aussi dans le vide. Bien sûr. Mais à nous rester fort. À nous, on a ça l'espérance qui un jour nous pourrons réunir face à face et dans le paradis. À cause de la parole de bon Dieu, il dit nous, et ça, il y a qui croit dans le bon Dieu, même si avant mort, il peut vivre. Et ça, il y a qui vivent et qui croit, il n'est pas jamais mort. Alors, un jour, nous pouvons résoudre. Oui, aujourd'hui, son parcours, l'eau, la terre, il finit. À nous, imaginez pour dire que nous tous, nous avons un message. Ici, l'eau, la terre, il parle de la cour. Un jour, chacun de nous, nous pouvons quitter la terre pour nous. Allah, quand nous t'y sortir. Alors, c'est vrai que c'est en Christ. À nous toujours, mettre bon Dieu au premier et dans nos vies. À nous préparer, nous, à cause nous va connaître quel est et qui joue la mort est pour t'appeler la porte. Et c'est pour sa raison que mon Dieu dit au commencement, la mort y est volée. Alors, à nous demander au Seigneur pour aide-nous, pour vivre. Et bon la vie, pour vivre la vie, comment? Ben les chrétiens,
un vrai chrétien. Pour qui, à la fin du jour, nous, la vie ici de la terre est terminée. Là, va rencontrer lui, et face à face, et dans son paradis. Alors, c'est le nom de la paroisse. C'est Rogue Bellon. Et moi-même. Et moi, je suis content de présenter Monseigneur condoléances à toute la famille. Maman, chers et frères, son madame et son bon enfant, la famille entière, les amis et connaissances, nous sympathisons avec vous. Et nous disons de prendre courage et qu'on est qui bon Dieu est là pour vous et avec vous. Amen. Qui un jour nous pourrait joindre tous nos bonnes causes qui nous quittent nous. En nous prie, Seigneur. Thank you.
Thank you.
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Envoyez pas sur le seuil de sa maison. De respect pour vous, Robert Freddy. Voici cet encens qui monte devant Dieu avec notre prière.
nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ces corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce temps si vrai. Merci aussi d'avoir été à la chaîne. Merci.
Et